pourriez-vous, s'il vous plaît, bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que l'ambassade de l'Inde fait ici à Nalaki, au centre-ville, maintenant, aujourd'hui? Please explain what is the Indian embassy is doing right now at this moment. We are celebrating International Day of Yoga. Nous sommes en train de célébrer la journée internationale du yoga. Pourquoi ici à Nalakil? Why here in Nalakil? This is just a flash mob so that we tell everybody tomorrow is the main celebration, and we are just trying to publicize it and encouraging everybody to come tomorrow to participate in the celebration. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est un flash mob, c'est pour en fait avertir tout le public de Tana que demain il y a la célébration de la journée internationale du yoga qui aura lieu à Soabinibao à 9h du matin jusqu'à 14h et qui s'est ouvert à tout public, libre en fait. Donc nous souhaitons que tous ceux qui sont intéressés, parce qu'ils auront l'occasion de voir plusieurs types de yoga. Cela signifie alors que l'Inde est un spécialiste du yoga. Il n'y a pas d'autres pays alors? Non, c'est pas ça. En fait, le premier ministre indien avait annoncé qu'on avait fait une demande à la Nation Unie de célébrer la journée internationale du yoga. Et la journée internationale du yoga est fixée par les Nations Unies le 21 juin. Comme ici c'est dimanche, c'est demain qu'on va la célébrer. C'est l'ambassade de l'Inde qui a organisé toute la célébration avec toutes les organisations qui pratiquent le yoga, qui enseignent le yoga ici à Madagascar. Pourriez-vous juste expliquer en quelques mots ce que le yoga peut apporter à l'homme, à l'humain? Le yoga ça vient de la langue sanskrit qui veut dire yuj. Yuj, ça veut dire, si on le traduit, ça veut dire connexion. Donc la connexion de l'esprit avec le corps, et les différents types de yoga qui existent sont le hatha yoga, c'est une forme d'exercice pour le bien-être de l'homme, de tous les êtres humains. Et il y a aussi le yoga sous forme de méditation qui est bien pour le mental. Donc ça amène un équilibre entre le mental et le corps, donc ça crée une harmonie entre l'esprit et le corps, ce qui est bien pour la santé de tout être humain. Oui, je pense que c'est assez clair. On va voir demain alors la présentation de yoga. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Thank you.